position de l'ancien joueur était assez claire. En tant que défendeur, un grand de la déclaration de l'ancien gouvernement, nous exigeons le respect des droits de l'homme, y compris les droits de manifestation. Mais en même temps, nous savons que dans un état de droit, dans une démocratie, il faut des règles pour, n'est-ce pas, bien définir les choses, pour éviter le type de situation que nous avons déjà vu en Guinée depuis cette phase d'impasse entre le FNDC et le FNDC. C'est pourquoi le secrétaire général de la Santé a appelé les autorités de respecter les droits de manifestation des sociétés et des citoyens, des sociétés civiles guinéennes. Et en même temps, il faut trouver un moyen de gérer les choses pour perdre de qui. Donc, hier, on était déçus qu'ils finissent une bonne fois la même chose. Aujourd'hui, nous avons trouvé que c'est utile de venir échanger avec le FNDC, leur dire combien les Nations Unies soutenir les droits de manifestation. On ne veut pas mettre ça en cause. Mais en tant que, en même temps, je voulais le conseiller aussi d'être conscient des risques de ne pas vraiment essayer d'avoir un entente avec les autorités sur, par exemple, les dernières, et puis aussi chaque fois, les leaders de FNDC aussi ont la responsabilité d'encadrer les gens, appeler les gens, de juste sortir, faire le point, exprimer leur point de vue et rentrer dans les maisons sans violence, sans affrontement, sans un excès de c'est un message que nous avons passé et nous espérons qu'on ait été bien écouté et aussi fait les points, donner les points de vue, c'est la point de vue. Donc nous avons exprimé notre condoléance aux familles éprouvées et nous espérons que d'ici, la question sur la personne arrêtée. Nous pouvons espérer voir la chose de se tourner dans le moment de la manifestation. Nous faire une manifestation régulière dans le temps et de la situation. Merci.